Vas-y, c'est Non, bien, je sais, vas-y. c'est quoi ton intro? C'est Tagada, Tagada, salut mes petits gars. Non, c'est Bonjour les petits. Comment allez-vous? Très bien, j'espère. Nous sommes avec Dokoto. Non, au revoir. C'est une personne inutile dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Mais moi, je suis là pour faire des vues, en fait. Ouais, voilà, elle, je vais juste mettre dans le titre avec Dokoto et ça fera des vues. Comparé à Dako, je ne suis pas sponsorisée par Apple, mes boîtes sont totalement normales. Voilà. Pas sponsorisée. Nous sommes de retour pour le tag. Le je couple... Fais de mauvais tour. Il n'y a rien à faire, c'est notre plus belle devise. La team Rocket. Tais-toi. Nous sommes ici pour le tag, c'est... Oh, j'allais dire garder vendre ou tuer. Garder vendre ou tuer, oui. Mais... Pour le tag, le couple parfait qui a été fait par Univers Schlesch. Oh, j'ai oublié de dire qu'il avait fait le tag. Donc, je l'ai déjà fait et on va le refaire parce que c'était un bon tag et ça a fait des vues, alors ça va refaire des vues. Bon, alors, je vais expliquer les règles, ce qui est le truc le plus compliqué au monde. Le désastre. Laisse-moi expliquer calmement. Alors, dans ce tag, je vais tirer le nom d'une jument qui sont placées juste ici. Le nom de deux étalons qui sont placés. C'est vraiment pire qu'une enfant. Donc ici, il y a le prénom de deux étalons. Et nous allons aussi voir quel couple sera le meilleur parmi la jument et les deux étalons. Voilà. C'était très précis et très clair, mais... Merci, Mani, j'ai rien compris. Oh, ça va, c'était mieux que la tienne. Hein. Donc, on va commencer avant que Dakota s'énerve de nouveau parce que c'est vraiment une enfant. Elle a un... C'est pas très gentil, hein. Elle a quelques problèmes d'attention. Alors, premier prénom. Il s'agit de Tempête. Oui, Tempête. Nous avons Elros. C'est qui? Oh, Elros, je l'aime. Et Spiro. Spiro. Oh, Spiro. Tempête. Elle tient pas dans la neige. Spironée, tu sais. Et Elros. De mon point de vue, tu devrais mettre Elros avec Spiro. Quoi? Moi je pense que le couple que je vais faire c'est Elros et Tempête parce que c'est un camargue comme Elros Osiris. Et Spiro. Non mais c'est non. Pas trop mal, je te jure, de mon point de vue, Elros et Spiro c'est les bestes. Non non non, c'est pas les bestes du tout. Elros et Tempête vont très bien ensemble, Spiro est un célibataire, voilà. Oh, comme ça tu peux même plus donner ton avis, je t'ai dit. Attends, attends, il y a un cheval ici là qui est sorti, c'était qui? Ça aurait dû être Osiris. Oh dommage, Osiris, t'aurais pu en finir avec Tempête. Nous allons tirer tout de suite le deuxième avant que Dakota s'énerve de nouveau. Avant que Dakota s'énerve. Nous avons Artiste. Ça fait faire Spiro, il va revenir là. Artiste avec... Je prie pour Spiro là. Oh non, Illumi. C'est qui Illumi? Tu sais qu'en vrai, Illumi, c'est le grand frère de Killua et il est très moche. Et oh, j'ai écrit Lokito. Non, Illumi. Mais c'est quoi ce nom là? Lokito. Illumi. Lokito. Mais c'est quand je t'ai dit, c'est le grand frère moche de Killua. Oui, il est moche. Eh, mais regarde, ils sont déjà à la limite en train de se faire un câlin, Artiste et Lokito. Parce que là, le dernier, là, je suis Illuminati, je sais pas quoi là. Illumi. Très moche. Oui, bah, mais tu sais que Illumi, il va obligatoirement aller avec une jument. Hein. Je ship le chapin. Alors, Jalna. Jalna. Oui, ah, mais Jalna, oui, j'ai compris Jalna. Avec. Galopin. Galopino. Uno. Oh non, c'est Uno. C'est vraiment le pire chip possible, ça, hein. Je suis désolée. C'est quoi cette chip? Regarde Uno, on dit. On dirait qu'Uno, c'est son petit frère. Tu vois, je vais dire Uno et Jalna parce que je veux pas que Galopin il finisse avec Jalna. Mais Jalna avec Uno, on dirait Uno, c'est son petit frère. Pas du tout un couple. Pas du tout d'inceste ici, vraiment. C'est un couple moche, ça. Ça va faire comme dans ta, vidéo, ça va faire des couples moches. Mes couples, ils étaient très beaux, ok, tu critiques pas. Oh non, mais ils étaient très moches. Alors, il s'agit de Diadema. C'est quoi ce nom? Alors, nous avons donc Osiris. Oui, Osiris. Tu sais que c'est les deux chevaux de mon Instapony. Et Spiro. Spiro, Osiris. Spiro le best. Diadema. C'est quoi ce nom? Ozzy et Spirou. Peut-être avec Spirou parce qu'ils ont une taille qui est similaire. En plus, ils tournent, ils ont presque la même position. Hein. Osiris et Diadema, là, ça fait plus maman poulain, quoi. Ils sont un peu mignons. Bon, pas trop, un peu. Non. Mais regarde, ils sont tout mignons. Ah. Spirou, on dirait qu'il a envie de mourir, là. Alors, nous avons Candy. Je sais pas qui va prendre. Candy, arrête, non, mais y'en a, ils ont des noms pires que ça. Hein. Avec Flocon et j'espère c'est Varian. Oui, et Varian.
d'accord. Voici Candy. Enfin, mais regarde, même Flocon, il est énorme à côté. Variant, pas Flocon, parce que Flocon, là, c'est pire. What the fuck? Moi, je dis Flocon et Candy truc, là. Non, Flocon. C'est moins choquant, Variant. Donc, ce sera Candy et Variant. Hop, attends, je dois mettre devant la caméra. Candy, Variant, bisous. Voilà, il se fait des bisous. Pardon. Ensuite, en jument, nous avons un butterfly. Oh, je l'aime pas celle-là. Allez, pas galopin. Je vous en supplie, pas galopin. De toute façon, galopin. Nous avons reflocon. Et galopin. Et Ico. Non. Butterfly. Oh la vache. Il était génial pour le mec. Ico. Alors, attends, moi je peux. Parce que moi de là où je suis, je peux voir les juments qui restent. Bah, je vais mettre Ico et butterfly parce que je privilégie flocon. Ico, je m'en fous de lui. Prochain tirage. Dakota avec Helios ou oh, Galopin. Les shippers vont arriver en masse. Ok, bonsoir Helios. Faut savoir que Galopin et Dakota. J'ai perdu. Pas un chou, en fait. J'ai perdu Galopin. T'as perdu mon fils. Galopinou et Monsieur Helios. Donc Dakota, tu vas devoir. Dakota va devoir être shippé avec Helios, hein. Galopin, attends, faut que je le galopin dirait trop, il est en train de tenir la chandelle, ça lui casse les clés, en dépression, il en a marre. Fin de ce nouveau ship, Alors attendez, faut juste que je vous raconte un peu la petite histoire. Malheureusement, je ne peux plus shipper Dako et Napoléon puisque Napoléon n'existe plus. Elle me l'a refilé. Alors, tu me l'as refilé. Nous avons actuellement Sweetie. Pendant que tu parles, je suis en train de faire mon tag moi. Pas galopino, s'il vous plaît, faites en sorte que... Galopin. Oui. Bon, la mise au point se fait pas, mais vous avez très bien lu que c'était Galopin et Flocon et... Ça va pas faire une mise au point sur Flocon non plus, donc... Ah, oh, c'est Flocon, mais je sais pas, je sais plus qui c'est déjà. T'as déjà oublié, ta mémoire est vraiment géniale. Ploum. Moi, je ship plume d'argent avec Galopin. Non, moi, je ship pas plume d'argent avec Galopin, je déteste cette jument, mon bébé ne sortira pas avec... Dès les premiers épisodes, tu vois, je sentais, il y avait... Quand Plume elle a voulu que Osiris, enfin que Galopin vienne voir Osiris, on sait pas si Galopin elle est vraiment allé voir Osiris ou si il a juste genre Plume. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sera Flocon et Plume. Flocon tout seul et Galopin avec Plume d'argent, je te le dis. Non, Galopin ne mérite pas une jument qui s'appelle Sweetie. Nous avons Vodka. Vodka? Oui. Vodka? J'avais pas d'idée de nom et j'ai pris le premier Instapony que je trouvais sur Instagram. Illumi. Oh, pas Illumi. Illumi ou Galopin. Galopin, il fait que ça de sortir là. Il va absolument être au coup. Nous avons Vodka. Hop. Hop. Bon. Je pense que la. Je sais plus son nom là. Vodka. Ouais, Vodka, voilà. Et Illuminati ensemble, ça marche très très bien. Non. Oh non, elle, je l'aime bien. Lui, je l'aime pas. Hein. Oh non. Ils sont très bons. Bon, par contre, Galopin, il a vraiment le bout du nez décoloré à fond, là. Il souffre, hein. Ça se voit. Mais là, c'est un beau ship, ils vont bien ensemble. Oh non, c'est dégueulasse, tu rigoles ou quoi? Non, mais arrête, Illumi, il va avec personne, il est horriblement moche. Il va très bien avec cette jument, là. Non, je suis désolée, Illumi ne va pas avec cette jument. Écoute, tu vas me dire parce que Galopin, c'est mon fils, et là, ça marche plus du tout. Oui, bah si, ça marche très bien. Non, regarde, hop, ils vont ensemble, hop, ils s'en vont, regarde, ils s'envolent. Là, on peut tirer directement les talons parce que ce sera obligatoirement Osiris, qu'il ne reste que lui. Ce sera Osiris ou Illumi pour... Il me reste une belle jument et une moche, je crois. Tornade. Tornade. Direct Tornade. Putain, j'ai voulu faire un zoom, ça a foiré, ça a tiré la mise au point. Donc ça va être Tornade et Osiris parce que de base, c'est Tornade et Galopin, alors je peux pas trahir Galopinou. Hop, je peux pas trahir Galopinou et mettre Tornade avec Illumi. Non, c'est pas Galopin et Osiris. Et donc, le dernier ship. Personne ne ship Galiris. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un ship Galiris. Et le dernier ship, ce sera donc Illumi et Cerise. Ce prénom, c'est vraiment de la merde. Illumi et Cerise. Oh, j'étais sûr que c'était M. Voilà. Oh non, mais j'ai quand même mal pour Cerise, même si je l'aime pas, j'ai mal pour elle. Moi, j'ai très très mal là. T'imagines, t'es coincé avec un mec. Genre comme Illumi aussi moche que ça genre. En vrai le vrai Illumi il est vraiment moche aussi hein. Vraiment je trouve que j'ai bien trouvé son prénom à lui. Donc c'est la fin de cette vidéo avec Dakota. Ce sera sûrement la dernière sur toute la chaîne. C'était la première et la dernière. Oh, non c'est toi qui es nul. C'est l'invité qui était nul. Je te rappelle que de base je voulais bout de ficelle et pas toi hein. Quoi? Donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu malgré le fait qu'il y avait une... J'espère qu'elle vous aura pas plu. Abonnez-vous à ma chaîne SVP. Non ne vous abonnez pas à sa chaîne. Je suis une...
Je tague personne parce que j'ai personne à taguer. Mais toi, tu l'auras sorti avant moi ta vidéo. Moi, je me tag. Vas-y, donc auto, si tu vois ça dans le futur, tag. Bien, je te tag. Donc auto se tague elle-même. Je ne tague personne parce que je pense que tout le monde a déjà fait ce tag. Enfin, tous les gens qui voulaient le faire. Je tag Squeezie, Cyprien. Insupportable. Insupportable. Ceux qui ont regardé le YouTube Rewind 2018 et qui ont pensé que s'il était. Ah, il était nul. Donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Bye les loulous. Mais elle est pas éteinte, mais elle est floue. Non. Non, non. Ça ne donne rien de bien avec toi.